La température au sol est de 39 degrés et le ciel est tout bleu. Le commandant Robin et son équipage espèrent que votre vol a été agréable et vous souhaitent de bonnes vacances. Pour 5 heures, mais je supporte pas l'avion. Quoi que je sois malade ou que j'ai peur, c'est les deux. Ouais. La totale, quoi. Ouais. Bon, je vais faire votre lit. Eh bien, je vous en prie, faites comme chez vous. Eh ben, je suis pas mécontent d'être arrivé, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas, c'est le décalage. Oh, je suis décalé, là. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah ouais, non, moi, l'avion, non, très peu. Par contre, vous voyez, quand je suis sur la terre ferme, ben, le train climatisé, c'est bien. Enfin, que la climatisation marche pas, c'est moins bien. Hein. 45 degrés derrière des vitres qu'on peut pas ouvrir, on comprend vite que ressent un couscous quand le cul à la vapeur. Alors après Gibraltar, c'est le bateau jusqu'en Afrique du Nord. Le bateau, c'est différent. J'ai moins peur, mais je suis plus malade. On peut pas tout avoir non plus, hein? Ah oui, ça c'est ce que je me dis souvent. Et puis alors après, c'est l'arrivée en Afrique, les douaniers. Et tiens, en parlant de douaniers, dites donc, ça rigole pas en ce moment à la frontière du Gondwana. On a l'impression que l'opposition appuie de son couteau et le dictateur a les mitettes. Oui. Depuis un certain temps, personne n'a intérêt à contrarier la milice. Ah, enfin, ils ont fini par me laisser rentrer. Hein. Alors, la photo. La photo. Mais c'est les copains m'ont dit, si tu vas en Afrique, emmène-nous des photos. Ah bah oui. Ah bah tu penses, c'est la première fois que je viens en Afrique. Et c'est même la première fois que je fais un grand voyage. Ah. Et ça va être la première fois que je vais faire une photo. Là. Ah, voilà. En plus, les copains m'ont dit en Afrique, il y a des animaux, on fait des photos. Ah oui? Ah, la gueule du bestiau. Comme ça? Hein? Là, j'ai dit, il y a sûrement des bestiaux. Ah. Bon, allez, on défait les bagages et au lit parce que moi, ça y est, là, je suis au bout. Chut. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je le savais. Ça, les copains m'ont prévenu. Hein. Ils m'ont dit, fais attention, en Afrique, il y a des moustiques. Alors, il y a une chose que je supporte pas, c'est les moustiques. Des saloperies. Hein. Une piqûre et je cloque. Et je deviens tout violet. Ça me gêne pas, mais des fois, ça fait peur aux enfants. Ah. Un problème? J'espère que j'ai eu cette saleté de bestiole, là. Oh, là, à mon avis, il y a même plus un éléphant debout dans les parages. Hein. Allez. Oh, bah, vous avez l'air d'aimer le tennis. Ouais, enfin, j'espère. Je commence demain. Hé, hey, il y a un copain, une fois, il est allé dans un club de vacances avec sa femme. Bon, il a piqué sa femme. Non. Moi, on ne piquera pas les raquettes. Et puis, t'es, hey, regardez, s'il y a la guerre au Gondwana, ta 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 ta. Oh, ça part fort, ça part fort.
Vas-y, Scipion, c'est bon. Vas-y, mon Scipion, c'est bon, c'est bon. Vas-y, mon Scipion, c'est bon. Vas-y, mon Scipion, c'est bon. Alors, la pipette, le hublot, les barbotines. Demain, première leçon de noyade. Ah, le réveil. Eh ben, gâte dedans. Gâte dedans si on veut être bien là-dedans. Bon, alors. Tiens, hé hey. Quoi? Regardez-moi ça un peu, hein? C'est pour le bal que tu mets tout à l'heure? C'est pas pour le bal costumé, c'est pour la soirée smart. Ah non, moi les autres soirs je sortirai pas. Mais pour la soirée smart, je voudrais vous demander un conseil. Oui, mais tout petit conseil, on a un peu speed là ce soir. Bah, c'est à la boutique où je l'ai acheté, c'était tout en solde. Et du coup, j'avais pris deux. Lequel test vous préférez? Le choix est cornélien. C'est vrai. Bon, les couleurs sont un peu voyantes. Mais en vacances, on peut se permettre un brin de fantaisie. Et puis moi, ici, je connais personne et personne ne me connaît. Loin de tout et de tout le monde. Tranquille. Bon, je vous les mets dans la salle de bain, hein? Ouais. Oh. Oh, ça part fort. Alors, tu se bouge pas là-dedans, là. Regarde-moi dedans, là. Qu'est-ce que t'as fait, là? Alors, on en est où, là? Ah! T'as juré, moi, à moi, ça. Ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un par jour, 7 pour la semaine. Les extras. 8, 9, 10, 11. 12! Parce que moi, je suis comptable. Je travaille comme comptable dans une maison de production. Oh, c'est pas un boulot difficile à supporter. Dans le bureau, le plus insupportable, c'est le patron. Ah, puis alors, il a une manie tout le temps en train de me tirer l'oreille. Sacré Scipion! Scipion, c'est mon nom. C'est moi, Scipion. Alors, il est là. Sacré Scipion, comme tu étais, comme tu es devenu. Aïe, 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 ça fait mal. Puis ça m'énerve. Et puis il le sait, je suis sûr qu'il le fait pour m'humilier. C'est ça. Il m'humilie. Et il aime ça. Enfin, je suis là pour oublier tout ça. Hein. Mais ce cause, je voudrais pas vous retenir. Hein? Mademoiselle, je voudrais pas vous retenir. Mademoiselle. T'es quand même pas sorti par le... Alors c'est pareil les filles, t'as un ticket, il y en a un qui te l'a composté, disons. Et alors ça tombe à une vitesse la nuit en Afrique, regarde-moi ça. C'est presque nuit déjà. Oh! Eh ben quel luxe! Tiens, moi je dis que j'ai bien fait de prendre un single, tiens. C'est peut-être plus cher, mais alors, risque pas d'être dérangé. Bon, eh ben aïe! Aïe mon Scipion! Vas-y, mon Scipion, c'est beau. 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 Ça fait pas africain, hein? Ça fait pas africain du tout. Là! Eh ben voilà. On est installé. Et get donc. Oh, puis alors, des fruits tropicaux. Tropicaux pour moi. Ça rigole moins là, hein? J'ai de la chance, je commence demain. Allez, au lit! Bonne nuit de sommeil! Et demain, on attaque la semaine sportive! L'Afrique! Pa-p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 a-
Papa, 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 papa. Et qui c'est qui va nous faire un rototo? Oh, les voisins, là, là. Et voilà. Allez. Ah, ça part fort les vacances au Golo, voilà. Hop, bouton de secours. Oh eh, pendant deux plombes, je vais paumer le bénouze derrière. Allez. Sur la petite étiquette à deux. Sur la petite étiquette ça. Ah, alors, demain c'est le premier jour, on va se la faire tranquille, on va dire 7h moins le quart. Voilà. Allez. Première nuit au Golowana. Oh, deux, deux, deux. Les moustiques et moi, c'est la guerre. Allez, à demain. Plus rapide que l'électricité pour se coucher là. Ah, j'allais oublier la crème anti-moustique pour les mains. J'ai une crème très efficace qui sent un peu, mais cloquer ou sentir, il faut choisir. Allez, salut. Maman, maman. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut! Je suis vraiment sorry! Enfin, je veux dire, je suis désolé d'être obligé d'occuper le bungalow avec toi. Ils ont un problème de son booking à la réception. Moi aussi, j'avais pris un single. Y a pas assez de chambres seules pour tout le monde, alors on va partager. Allez, on va s'arranger. Comme dit ma mère, quand y en a pour deux, y en a pour moi. Eh, je déconne. Tu es pas fâché au moins? Eh, ça m'arrange pas non plus! Mais ça va pas durer, fais-moi confiance. Allez, viens. Comment c'est ton nom? Moi, c'est Francky. Francky Parachou. Et toi? Oh, je peux entrer? Viens, sois pas timide. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu sais que tu me rappelles un abat-jour que j'ai bien connu, toi? J'ai des crônes. Je déconne! Tiens, on va se prendre un whisky. C'est bon pour la circulation. Il y a longtemps que tu es là? Moi, je suis balé. J'ai voulu dormir dans l'avion, j'ai pas pu. J'ai pas arrêté de penser à ma fleur de papaye.
tu veux pas l'enlever ton filet garni? Tessia, tu vas ramasser du miel ou quoi? Les moustiques, tu es dans un club ici. Regarde, ils t'ont mis les bombes. Allez, enlève ça. Allez. Oh, tu es têtu, toi, hein? Oui, ma fleur de papa, il y a 15 jours, je l'ai rencontrée dans une boîte à Paris. Elle veut que je fasse un disque. Ah ouais, tu sais pas, toi, je suis producteur. Top Dance Production, tu connais? Et la petite, je sais pas si elle a de la voix, mais elle a du souffle, hein? Et tu sais quoi? Elle est animatrice, ici, dans le club. Alors moi, je débarque, je lui fais la surprise. Oh, c'est pas romantique, ça. Seulement, à ma femme, j'ai fait croire que je devais rencontrer un groupe de rappeurs africains. Parce que ma femme, elle est jalouse. Comme une femme jalouse, mais en pire. Seulement, ça fait une vingtaine d'années que j'habite chez ses parents, alors ça crée des liens. Tu es marié? Tu as bien raison. Tu es fiancé? Tu es pédé? Alors, en tout cas, tu es pas bavard, hein? Oh, tu veux pas le remonter ton store vénitien pour qu'on y voit plus clair? Allez, fais pas la tête, ça m'en vale pas de le partager le bungalow. Allez, enlève ça, allez. Ah! Ah! Scipion! Pas trop? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'étais venu passer 8 jours de vacances loin de tout, et ça commence bien. Eh ben, c'est marrant, ça. Eh oui, je suis mort de rire. C'est pourtant grand, l'Afrique, hein? C'est ça, le pire. En plus de se retrouver dans le même club, dans le même bungalow. Je ne crois pas. Viens ici. Viens ici. Moi? Oui. Dis donc, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as rien entendu? Ah, ça que le... Oh non, oh non, oh non. Bon, alors, si tu as entendu, c'est que tu as tout oublié. Ah oui, ah oui. Oh. Oh. Non, j'ai dit ça parce que si ma femme est venue à apprendre quoi que ce soit, j'aurais vite fait de deviner le nom du coupable. Et du coup, j'aurais vite fait de me trouver un autre comptable. C'est bien clair? C'est bien en place dans ta petite tête? Ah, ça peut pas être mieux rangé, pas trop clair. Allez. Oh, c'est toujours bien entendu, tous les deux, non? Ah, ben c'est rien de le dire. Ah non. Ça crie, c'est pion. Comme tu t'es, comme tu es devenu. Allez, on va se débrouiller pour ce soir. La petite, elle va nous arranger ça demain à la première heure. Elle est très arrangeante. Oh, dis-là, tu vas me faire une petite place, hein? Tiens, regarde, je vais te les ranger là en attendant. Mais c'est costume tout neuf. Ah ouais, mais ces costumes-là, ça se porte impeccable. Les affaires trop serrées, ça se croise dans les armoires. Ah bon? Et par terre, nous? Ça précipient. Dis-là, je savais pas qu'elle tirait les clubs de vacances, hein? Ah oui, puis alors là, d'un coup, de moins en moins, vous voyez? Tiens, j'ai vu qu'il y avait un lit pliant dans la petite entrée. Oui, vous voulez que j'aille vous le chercher? C'est comme tu veux, tu t'installeras quand tu auras envie de te coucher, hein? Parce que c'est moi qui vais dormir dans le petit lit. Ah ben, il est marrant, lui. Mais non, mais normalement, c'est le dernier à arriver qui doit prendre le... Dis donc, tu pensais quand même pas me laisser le petit lit? Oh non. Non. Oh non. Alors, va chercher. Oh oui. Alors, va le chercher. Chef. On va mettre un peu d'ambiance, hein? On va mettre un peu d'ambiance. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes plus la musique maintenant? Si. Mais j'étais venu pour me reposer tout ça, vous voyez, alors si... Attends, je vais t'arranger ça. Tiens, regarde. Voilà, tu te mets ça dans tes oreilles et tu n'entends plus rien. Hein? Je te dis, si tu te mets ça dans tes oreilles, tu n'entends plus rien. Hein? Scipion, regarde. Tu te mets ça comme ça dans tes oreilles et tu n'entends plus rien. Eh ben forcément. Gros con. Comment? Hein? Bah toujours aussi vif, hein. Tiens, regarde, je vais te les laisser là en attendant, hein. Voilà. Faites bien humeur. Allez non, tu vas être bien, hein, dans ton petit lit, hein. Ah oui, hein? Ouais. Enfin, j'y suis pas encore dans le berceau de nain, là. Parce qu'on peut même pas appeler ça... Ma mère disait toujours un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Oui. Ah, mais vous savez quoi? Je regrette de ne pas l'avoir connue, votre maman. Parce que, entre nous, elle devait avoir un sacré sens de l'humour. Allez, continue, tu es sur la bonne voie. Et en plus, il est bricoleur.
Moi, je vais aller prendre un bon bain pour être en forme avant de partir à la recherche de ma fleur de papaye. L'exotisme, ça m'excite. Moi, l'exotisme, ça me gonfle. Je t'en foutrais, moi, de la fleur de papaye, dit des costumes tout neufs. Et heureusement, j'en ai acheté deux, il y en a un qui a protégé l'autre. Et tu comprends, des costumes comme ça, ça se porte un peu grave, trop serré. Eh ben, il y a qu'à les repasser, ça va être trop près. Et on va pas se merder. Arrête de pousser. Voilà, ça y est. Il est repassé. On va le racher. Foutre le bazar. Mais j'ai pas mérité ça, moi. J'ai pas mérité ça. Qu'est-ce que tu veux passer 8 jours là-dedans, c'est pas... Oh non, je le sens pas bien, là. Oh non. C'est pas un lit, c'est un tremplin olympique. Et puis ça va m'énerver, ça. Ça y est, ça m'énerve. Ça, mon patron en vacances, il pouvait rien m'arriver de pire, non? Rien. J'essaie. Je suis désolé, mais il y a un problème de surbooking. Ah bon? On va devoir le partager. Oh non. Moi non plus, ça ne me comble pas. Deux joueurs. Oh bon. Non, parce que j'avais réservé pour un single, pas un dortoir. On m'appelle Bart. Ah! C'est pour une raison, hein? C'est... Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis énervé, là! Moi, je suis énervé! C'est malé, écho! C'est malé, écho! C'est malé! Il y a un glissement de terrain? Non, mais il y a une invasion, là, je suis envahi de partout maintenant! Ah! Vous aussi, vous êtes victime du surbooking? La souris. C'est pas grave, ça va pas durer! Faites-moi confiance, viens ici! C'est pas un problème, on va s'arranger! Ma grand-mère dit. Comme disait ma grand-mère, bah quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, hein? Bonne nuit, ça qu'à partager le lit pliant. Eh, pourquoi pas? Ah oui, mais non, non. Ah ben, c'est pour une nuit. Oui, non, mais... Installez-vous, posez vos armes. Non. Tu veux pas vous les manger, vos raquettes? Vous êtes bon au tennis? Ha 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 ha
Je ne suis pas bon. Je vais prendre un bain. Un bain. Pâté. C'est le petit lit. C'est l'annexe. C'est la moto et le sidecar. Et puis alors ça, c'est quand il écoute la musique, on le met dans les oreilles, comme ça. Et puis alors on n'attend plus rien. Ah oui, mais c'est pas... L'autre, il est là, là. Ah c'est mon lit. Ouais. Et ben il va prendre l'air. Ah oui. Oui, mais c'est... Il est bien sorti la nuit, alors. Oh. Oh. Je dors où, moi? Bon, c'est bien comme d'habitude. On se démerde. Et je vous en foutrai, moi, la première nuit au Golowana. Pourquoi l'oublier, moi, celle-là, tiens. Putain du Golowana, 77 heures pour se retrouver dans un liquage. L'année prochaine, j'irai chez ma tante Ursule, la meule. Le lit est petit et il sent moisi, mais au moins, c'est un lit. Et puis, comme personne ne tient jamais à voir, c'est ce que pas d'être dérangé. Et je te demande ce qu'il vient foutre ici, là, le croisement de la rue d'Aboukir et de la rue du Sentier. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vient foutre en Afrique avec une perruque en peau de fesse? Ah non, je te jure, des fois, il y en a, ils sont pas finis, lui, il est pas commencé. Là. Oui, ça, forcément, ça va jamais tout rentrer, ça va. Voilà, on va dormir par roulement. T'en refoudrais du Golowana, moi. Eh ben, garde dans mon pépère. Tu vas pas être le plus malheureux, hein. Merci pour tout, hein. Et bonjour chez vous. Ça fait longtemps que vous êtes là. Dans la valise, il n'y a pas 30 secondes, je suis déjà en vrac. Bonne nuit. Ah, quoi encore? Je voudrais vous demander quelque chose. Ah, alors si c'est pour dormir dans la valise, c'est non. Parce que ça, c'est mon lit de voyage à moi. Et de là à là, c'est chez moi. C'est petit, peut-être, mais c'est chez moi. Et mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Là-dessus, bonne nuit. N'insistez pas, c'est complet. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? La dernière phrase. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Ah oui, ça, on peut dire ça, ah oui, ah. Et alors, il y a aussi bien malin qui ne profite jamais. Comme on fait son lit, on se mouche. Et à demain, si vous le voulez bien. Alors, comme ça, c'est vous? Eh quoi, c'est moi, bien sûr, c'est moi, mais rien vous étonne, vous, hein? Mais je ne savais pas que c'était vous. On ne l'aurait pas dit. Eh ben si, pourtant, c'est moi. Et vous, c'est vous? Ah ben oui, bien sûr, oui. En somme, chacun est soi. Voilà, voilà. Ah ben, c'est mieux comme ça, finalement. Je suis tellement heureux qu'on se soit trouvés. Oui, c'est bien. Voilà, c'est fini, maintenant. C'est fini, voilà. C'est fini. Pour moi, c'est fini, ouais. À vous de jouer, maintenant. Ah ben non, moi, c'est demain 11h, le rendez-vous. C'est demain, le rendez-vous? Ben oui, parce que de nuit... On y voit moins. Ah oui, ça, la nuit, on y voit moins. Et ce n'est pas préférable? Ben, je préfère voir arriver les balles. Oh, vous n'avez peur de rien, vous. Non, si.
des moustiques. Bah, vous ne regardez pas? Bah, j'ai une vague idée du contenu. Je m'en doute. Mais j'aimerais autant que vous vérifiiez. Oh, mais je vous fais confiant. Oh, ce. J'insiste! Je pourrais pas vous contrarier. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Je la pose la question. Et je mange crafouille la curiosité. Ah! Une raquette! Ah, j'aurais dû parier, dis donc. Eh, j'aurais parié, j'aurais gagné. Il faut bien jouer le jeu. Ah, certainement, oui. Mais il y a un zip. Ah bon? Ça se passe derrière le zip. Vous avez besoin de vacances, vous aussi, non? Ouais, mais je ne suis pas vraiment ici pour ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh. Nous serons plus tranquilles. Eh oui, mais c'est les... Dézipez! Des pigeons, des poncis, des pigeons, pigeons des filles, pigeons des pigeons, pigeons des filles. Qu'est-ce que... C'est bien ce qui était convenu, non? Je sais pas, qu'est-ce que c'est? Des billets de 1000 francs suisses. Il y en a 50 liasses de 50. 2 500 000 francs suisses, ce qui fait 10 575 000 francs français. Très bien, vous êtes un rapide, vous. J'ai l'habitude. Comptez, s'il vous plaît. Pas la peine. Je préférerais qu'il n'y ait pas de lézard après. Oh, il n'y aura pas l'ombre de la queue d'un lézard. Vous savez comme moi que les gens pour qui nous travaillons n'ont pas le pardon dans le sang. Ah bon? Ce serait même plutôt le genre Vincent. Ah. Mais c'est normal dans nos boulots, non? Parfait, tout à fait normal. Quand j'ai un trou de 20 francs dans la pièce, je suis moi-même très colère, alors. Ah bah une fois, il y a un mec qui a pété réglo. Ah bon? Et alors? Et alors, on a retrouvé sa tête dans une poubelle à Paris. Non. Et les jambes dans une autre poubelle à Marseille. Non. Ça fait loin. Ouais. Et la police cherche toujours le tronc. Tu comprends maintenant pourquoi je préférerais que tu vérifies? Après mieux, oui. Ça ne t'ennuie pas, je te tutoie? Ah, c'est pas ce qui m'ennuie le plus, là, non? Il y a un problème? Du tout, du tout, du tout. Tu as déjà travaillé pour eux? Qui ça? Bah, le gouvernement d'ici. Oh! Rarement. Très rarement. Et pour ceux qui m'envoient? Non plus, non. Bah, alors t'es freelance, en somme. T'es un peu comme moi. Ouais, un peu seulement, hein. En tout cas, maintenant que tu m'as contacté, moi, je vais pouvoir respirer, parce que, crois-moi, avoir ça dans les mains, c'est pire que de la dynamite. Ah, ça, je vous crois, hein. Tu peux me tutoyer. Oui, eh bien, je te crois quand même, hein. Hey, c'est quoi ton nom, en fait? Eh oui. On m'appelle Scipion. C'est un nom de code? Nom de famille. Et tu travailles à visage découvert? Ah, pas toujours. Tu es très fort. C'est marrant parce qu'on dirait pas te voir comme ça. Ah oui, ça on le dit souvent, hein. Ouais, je te verrais plutôt, je ne sais pas, moi... employé de bureau. Comptable, tiens. Ah! Eh ben, je le suis. Mais comment ça? Oui, enfin... Ah! J'ai compris. C'est une couverture. Voilà! C'est une couverture. Eh ben, c'est même carrément une couette. Ah! Les couettes. Ah, t'es vraiment balèze. Bon. Puisqu'on s'est servi du club pour passer le fric sans se faire fouiller, tu devineras jamais, mais moi, il faut que je bronze pendant 8 jours pour donner le change. Eh, hey, dis donc, ta merguez, là, en pyjama, il faudrait pas qu'elle apprenne quoi que ce soit. Parce qu'une fois, il y a un blaireau comme lui qui a découvert par hasard leurs affaires. Il en a et retrouvé puis... une main au Mans et une oreille à Bordeaux. Eh ben, comment tu le sais? Ça me paraît évident. Eh, hey, t'es vraiment balèze. Non. Mais dis-moi, ce mec-là, tu le connais? Si c'est je... qui? Si je le connais? Hey. C'est le patron. Enfin, c'est mon patron. Patron? Oui. Je
soirée toute bête seule. Oui, moi aussi, et puis là, on est tous les trois tout seuls. Et si le patron s'est dérangé, c'est que ça doit être encore plus dangereux que je ne le pensais. Ah là, tu penses? Et puis alors, surtout, faut rien y dire, hein, rien, ça... Il veut entendre parler de rien quand... Quand il est sur un coup. Ah, je comprends. Et vous êtes très fort. Vraiment très fort. Et vous êtes encore nombreux comme ça. Ce serait marrant, toi, lui. Je l'aurais pas vu dans le coup. Je l'aurais plutôt vu, je ne sais pas, moi. Producteur de disques invendables. Exactement, ouais. Eh ben, il l'est. Vous êtes très fort, très très fort. Hey. Dis-moi, maintenant que c'est entre tes mains. Ah. Moi, je vais profiter de l'Afrique. Ça a l'air beau comme coin. Oh, tu penses que c'est beau comme coin? Ah, ça c'est un coin qu'il est beau. Il est beau le coin, il est beau le coin. Ah, le joli coin-coin que le coin que voilà. C'est pas à moi. Oh. Et puis alors c'est beau, et puis c'est chaud, et puis c'est plat, et puis c'est vert, et puis c'est plein d'animaux exotiques. Tout à l'heure j'ai vu un crapaud lion. Crapaud lion? Oui, un crapaud lion. Eh ben qu'est-ce que c'est que ça? Un crapaud lion? Ouais. Un crapaud lion, eh ben c'est un crapaud avec une crinière. Et tantôt il croasse, tantôt il rugit, c'est un crapaud lion. Eh bien, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah ben c'est rare, hein, c'est très très rare, ça. Faut le voir pour le croire. Et t'as pas fait une photo ou quelque chose? Ah si, tout à l'heure j'ai fait une photo, mais c'est... C'était pas un crapaud lion. Une petite rainette, c'est dur, ça. Eh ben dis donc, moi j'aimerais bien voir ça. Ah oh ben, tu devrais aller sur la terrasse, il était là tout à l'heure. Alors non. Si ça se trouve, il y a encore, hein. Oh. Mais puis en plus, c'est son heure. Ah. Alors, c'est la galère, hein, c'est la galère. Qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? Petit patron. Patron, faut que je vous cours. Petit patron. Oh, c'est bien, on écoute aux portes, maintenant. Ah non, pas du tout. Dis donc, il est parti, boule de suivre. Ah non, il est sur la terrasse. Eh, hey, j'ai patron. Comme disait ma mère, des fois, moi, on en voit, mais on se porte. Bien sûr. En tout cas, je voulais vous dire bravo. Vous êtes très fort. Oh, tu as parlé de moi? Oui, un petit peu. Sympathique. Comment vous appelez? Bart. Ah, c'est mignon, Bart. C'est doux. Eh, ça lui va bien, hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vous expliquerai, patron. Oh, c'est Crisibion. Comme tu es devenu. Allez, c'est une affaire qui roule. Je vais aller retrouver qui tu sais. La nuit, Light Shore. Donc, il a l'air sur son coup, hein? Ah là! C'est bon de travailler avec des vrais pros. Ah, c'est sûr, ça rassure. Qu'est-ce que tu vas faire du fric, en attendant de le remettre? Ah, le fric? Ah! Tu vas le planquer, évidemment. Voilà, je vais le planquer, évidemment. T'as une bonne planque? Si j'ai une bonne planque, eh ben... Ah! Après tout, ça ne me regarde plus. Voilà, ça ne te regarde plus. Plus du tout. Voilà. Monsieur, dame. Ah ben voilà, ça c'est une bonne plante, ça c'est... La planque à Scipion, c'est pas du bidon, hein? Non, je vais planquer la planque. Je vais planquer la planque. Bienvenue au Gondwana. Je vais la planquer là. Je vais la planquer là-bas. D'accord. Voilà. C'est bon, mais j'y vais alors. Oui, ça passe pas là. À la salade, je suis malade aussi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Valérie. Je suis responsable tir à l'arc. Enchanté. Bart. Ça va comme vous voulez, Bart.
Vous êtes tout seul? Oui, oui. C'était l'enfer ce soir, Blanning. On savait plus comment caser tout le monde. Eh ben, j'ai vu, hein. Enfin, on y est parvenu tant bien que mal, hein. Chacun chez soi, ou presque. Mais mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pourquoi vous me dites ça? Je répète, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Ouais. Où est le fric? C'est dans le sac que j'ai vu, là? Ici? Non, l'argent n'est plus là, et il est parti le mettre en lieu sûr. Qui ça, il? Le contact. Quel contact? C'est moi, votre contact. Attendez, vous faites bien partie de l'organisation. Ben, évidemment. Ben non, vous n'êtes pas seul. Non, bien sûr, mais... Vous m'avez dans le club, oui? Non, Scipion et votre patron sont déjà là. Qu'est-ce que vous racontez, là? Ben, vous les avez peut-être jamais vus. Logique, après tout. Il n'y a pas grand-chose de logique dans tout ce que vous me dites. Votre contact, c'est moi et moi seul. Je suis chargée de récupérer l'argent et de le remettre à minuit à un homme du général. Un point, c'est tout. Enfin, ce n'est pas possible. Il m'a donné le mot de passe. Mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres? Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Qui veut voyager loin ménage sa monture, évidemment. Et alors? Il en a été doublé! Oh. Oh la vache. Quoi? Le gnome. Hein? Oh, la catastrophe! Mais comment c'est possible? Oh, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire une chose. Ils sont très forts. Mais vous savez comme moi que les gens pour qui nous travaillons ne nous croiront pas. Et si on retrouve pas ce fric, nous, on va finir en brochette pour crocodile. Mais pourquoi vous lui avez donné ce fric aussi? Elle se calme, la nymphette. Ouais. Parce que moi, l'hystérie, ça me glauque le cerveau. Oui. Et quand j'ai le cerveau glauqué, je deviens méchant. Mais où ils sont, ces types? Celui qui a le fric, il vient de sortir. En pyjama, qui plus est. Bon, il faut absolument le retrouver. Il est probablement déjà loin. En pyjama? Pyjama rayé, même. Bon. Je vais voir. Tu vas voir où? Je sais pas, je verrai. Attends! Cherche dans la cocoterie. Moi, je m'occupe de l'entrée du club. Ok. Paolo? Oui, c'est Valérie Tiralorc. Dis-moi, si tu vois passer un type en pyjama rayé avec un sac à la main, tu le retiens. Quoi? Oui, oui, je t'expliquerai. Je... Oui, oui. Bisous, bisous, c'est le moment. Oh. Y'a quelqu'un? Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Ah ben c'est la chaussure. Tiens, tiens, tiens. Ça y est, j'ai trouvé une bonne planque. À quoi tu joues? Qui es-tu? Moi, je suis toujours moi et vous, c'est toujours soi. T'es peut-être très malin, mais moi, je déteste qu'on se paye ma tête. Pour qui tu travailles? Qui t'a mis au parfum, hein? Je travaille pour Monsieur Parachou. Et qui finance tout ça? C'est Madame Parachou. Très bien. Ah. C'est lui? Mademoiselle, bah c'est... Laisse tomber, mademoiselle. C'est justement à elle que je devais remettre le fric. Ah bon? Surveille dehors. Okay. Alors, tu causes? Ah, si je cause, ah bah oui, alors. Depuis l'âge de 2 ans, j'ai été tout peu... Maman disait toujours, oh, c'est un gentil garçon qui a... C'est un fil. Non. Si, là, regarde.
Au-dessus de la ferme Mariole. Tu sais que j'ai déjà réussi à faire parler un muet, moi. Non. Il écrivait avec son sang. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Mais ça chez moi. Mais je veux descendre. Je veux descendre. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il y a une dizaine de personnes qui l'ont croisé. J'arrive pas à mettre la main dessus. Je l'ai pas. Elle est là. Fanny. Oui, oui, oui. Ah, vous vous connaissez. Et il demande si on soit. Mais c'est pour elle que j'ai fait tout ça. Ah, oui. Fanny. Qu'est-ce que tu lui as fait ainsi? Qui c'est qu'il a? C'est son papa. Hein? C'est son rara. C'est son chouchou. Oh, non. Monsieur papa. Il est venu retrouver son angelo d'amour avec le nana, avec le fleu-fleu. Monsieur Rara. Excusez-moi, les gars, c'est l'émotion. Dans mes bras, ma fleur de papaye. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Franky, c'est vraiment pas le moment, là, tu sais. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont là? Oui. Oh, ils savent ce que c'est, non? Non. Monsieur Chouchou, ils sont ensemble. Ouais. Eh bien, du moins, je le pensais. Hey, je le savais pas, moi. Moi non plus. Eh bien, maintenant, tu le sais. Oui. C'est glauque, tout ça. C'est vraiment glauque. Mais attends, attends. Attends, on va s'expliquer tous les deux, on va s'expliquer. Hein? J'aimerais bien, ouais. Oui, moi aussi, j'aimerais bien, parce que... Ta gueule. Oui, on verra après, nous. Hein, bah... Monsieur, monsieur, hé, hey, cool. Oh, on va pas s'énerver, non plus. Non, mais je m'énerve jamais, moi. Surtout quand je flingue. Hé, hey, monsieur Boule de Suif. Vous allez pas tirer, là, tout le monde va l'entendre. Ah ouais? Et ça, monsieur Wistifi, c'est une rapadrouillère? Ah non. C'est un silencieux. Ah oui? Ah bah ben oui. Mais tout le monde va le voir. Ta gueule. Oui, d'accord. Picoule, c'est juste un petit malentendu. Ah ouais. C'est glauque, cette histoire. C'est vraiment glauque. Ah oui, là, vraiment, c'est glauque. Ta gueule. Oui, pardon. Alors, comme ça, vous êtes ensemble. Ah non. Non, non. Oh, oh. On se connaît à peine. Ah ouais, bah c'est pas ce qu'il a l'air de dire, le Travolta, là. Assez, monsieur Boule de Suif. À peine. À peine. Et l'imitation derrière, là, je ne le connais pas, lui, hein. Je ne le connais pas. Ah, ça, elle a raison, là, l'imitation... Oh, oh le Wistiti, là. D'accord, eh ben moi non plus, alors, Travolta. J'ai juste une vague histoire avec le danseur, là, c'est tout. Oh, très vague, hein. Hey, très, très vague, hein. Mais avant que j'aille danser, on dira tonneau. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il vient de faire cette robe de danse ici, hein. Je voudrais juste lui faire une surprise. J'ai horreur des surprises. Oh, ben moi, pareil, hein. Mais il faut me croire, je te dis la vérité, Tim. Regarde, tu vois bien, j'ai ta photo. Regarde, c'est ta photo, ça, oui? Ah! Ah ben, nous l'a sorti d'affaire avec la photo. Oh, tu nous lâches un peu, Louis Titi. Oui, mais n'empêche que la photo. Cacahuète. Non. Écoute-moi, je te jure que c'est le hasard. Ça n'a rien à voir avec notre affaire, je te le jure. Ok. Admettons. Alors, vous allez vous mettre à table tous les deux, là, maintenant. À ce heure-ci. Commence à me rayer la porcelaine, Wistiti. Je vais m'occuper de ton camp en premier. Mais j'ai rien fait, moi. Ta gueule! J'ai marre de te traiter comme une bouse au fond d'une poubelle. Ça te fait rire? Ouais, ça me fait rire, ouais. Eh ben moi, plus. Oui. Toi, Louis.
Louise Titi, tu ne rejoues pas les Bruce Lee parce que je te fais sauter la cervelle au moindre faux mouvement, compris? Oui. Redonne-moi mon flingue. T'oublies que je suis prof de tir à l'arc? Je peux lui faire un trou exactement entre les deux yeux sans lui décoiffer un sourcil. Oh. Et puis j'ai des explications à lui demander à lui, là, le danseur. Mais enfin, ma colombe! Arrête ton cinéma, toi. C'est plus le moment des roucoulades. Oui, c'est vrai que c'est un peu tard. Oh oui, alors maintenant, tu vas me dire comment tu étais au courant de cette affaire. Tu savais qui j'étais avant de me draguer dans cette boîte à Paris? Pas du tout. Et si j'avais su que tu étais fiancée avec Monsieur Boule de Suif? C'est pas le problème, imbécile. C'est quoi le problème? Mais faut vous gérer. Eh, Louis Titi, tu parleras quand tu m'auras. Moi, il m'énerve la Boule de Suif, le mec. Je commence par une balle dans un genou. Ouais. Il paraît que ça fait très mal. Et je pense que tu cracheras le morceau avant que j'attaque le deuxième. Vous savez, ça va pas. Allez. Ça, c'est une fois ça. Les mains sur la tête. Oh mon nom, hé, pourquoi tu veux me tirer dans le genou? Un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Deux. Mais dites n'importe quoi. Tu le crois? Je savais, je l'avais dit, j'en étais sûr. Marie Simone, qui c'est? C'est la patronne. Je suis encore berné, dupé, roulé. Il suffit qu'il passe une créature et craque. Tu me poignardes dans le dos et tu piétines le contrat. Tu me fais beaucoup de mal, tu sais. C'est réciproque, Marie Simone. Je sais que la situation peut prêter à confusion. Elle prête surtout à rupture. Cette fois-ci, c'est trop, tu vas payer. Comment, là? Mais c'est pas une femme, c'est une bête. Qu'est-ce que c'est que cette race? Ça vous ennuiera de me regarder quand je vous regarde, vous? Vicieux, mais pas téméraire à tout le monde de vous. Scipion? Non, c'est Scipion. Scipion. Alors là, c'est le comble. Non, mais c'est des comptes, vous savez que lui maintenant? Mais non. À quoi vous jouez? C'est... Non seulement vous organisez des partouzes exotiques. Ah non! Ah non! Mais en plus, il vous faut des accessoires. Non, ça va pas se passer comme ça, tout le monde debout. Je vais t'expliquer, Marie Simone. C'est pas la peine! Il y a longtemps que je suis sortie du couvent des oiseaux. C'est ça, tes rappeurs africains? Oui. Ils sont bien blancs pour des noirs. Ah oui. Attendez. Attendez. Écoutez-moi, non, je sais d'avance ce que vous allez me dire. On pourrait peut-être trouver une solution. Oh, je vous en prie, vous, pas de grossièreté. Madame. Faites attention. Je l'ai, Jeannette. J'étais championne de la balle dans le saut. C'est quoi la balle dans le seau? Vous prenez une balle, vous prenez un seau et vous jetez la balle dans le seau. Et alors? Et alors, si vous y parvenez, ça vous donne le droit de reculer le seau. Vous rejetez la balle dans le seau. Et ainsi de suite. De plus en plus loin. Tant que vous mettez la balle dans le seau, on s'en lasse pas. Au final, j'étais tellement bonne que le seau paraissait beaucoup plus petit que la balle. Ce qui ne m'empêchait pas de la mettre dans le seau. C'est bien. Alors, d'autres questions? Non, 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 aucune question. Tu viens sans... Bonne idée. Le linge chasse à sa mort famille. Ah oui, eh ben alors on va vous laisser, hein. Ouais, viens, ouais, on va bien te voir. Il n'y a pas d'urgence. Aïe, 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 j'attends. Un et trois. J'attends vos explications. Ah oui, mais moi j'ai rien fait, moi. C'est toujours ce que disent les coupables. Calme-toi, Marie-Simon. Je suis calme. Je suis très calme. Ça se voit pas, non? Si, ça crève les... Alors avant que je vous les crève pour de bon, je veux tout savoir. Et c'est tout à fait normal, je madame. Je vous écoute, mon petit Scipion. Pourquoi moi? C'est que...
excusez-nous, hein, c'est pas... Pouf, pouf, ça sera quoi qu'il lui dira. Oui, alors, madame Parachute, c'est très simple. Voilà, plus de 5 ans que j'économise sous par sous, franc par franc, mois par mois, jour par jour, an par an. En me disant qu'un jour ou l'autre, j'aurai la chance de payer 8 jours de vacances au colon, voilà. Eh ben, ça y est, j'y suis. Seulement, voilà, avec vous sur Booking, j'ai été obligé de partager la chambre avec monsieur Parachou, et comme on n'est pas pédé, eh ben, on n'a pas partagé le lit. Lui, il a pris le moto, moi, j'ai pris le 5R, mais alors, il y a l'autre tapette qui est arrivé, là, ouais. Le voici, c'est les deux. Kili. Alors, on se retrouve à 3 dans le single. Vous arrivez, ça fait... Arrêtez, j'y comprends rien. Moi non plus. Je vois que vous êtes de mèche. Bande de vicieux lubriques. Vous m'avez berné. Mais maintenant, ça suffit. Ah oui, non. Je vais vous tuer tous les deux. Ah non, pas tous les deux. Tous les deux. Oh non. Et après, je me suiciderai. Ah, vous pourrez pas plutôt faire l'inverse. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par vous. Ah non, mais c'est toujours moi, ça me marre, moi, maintenant. C'est Francky. Pendant des années, je voulais rien voir, même si j'avais des doutes. Tant qu'il y a des doutes, il y a de l'espoir. Écoutez, madame... Ouh. Si je vous laisse la vie sauve, ce sera plus la peine de franchir la porte du bureau. Mais je peux tout expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer. Ouais. D'ailleurs, j'ai jamais cru à cette histoire. Écoute, de... Mais madame Parachute, vous n'avez pas toutes les données du problème. Allez. Voilà. Ah non, ça va. Madame Parachute, asseyez-vous. Laissez-moi vous expliquer. Le voyage, le décalage horaire, vous n'avez pas toutes les données du problème. Il se peut que ce soit un peu confus dans votre esprit. Mais en réalité, c'est très simple. Oh là là, c'est simple! Parce qu'il s'agit beaucoup plus que d'un simple groupe de rappeurs africains. Il s'agit en fait carrément d'un opéra que M. Parachute va monter. C'est un opéra en rap. C'est un opéra qui va monter. Un opéra? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, il va t'expliquer. Un opéra, qu'est-ce que c'est un opéra? C'est un opéra. J'ai compris. L'amour est un fond de bohème, il n'a jamais quand même. Mais on rappe, toi. Il n'a jamais connu de joie et c'est de feu pour sa gueule. Le soir, Monsieur Parachute va monter. C'est nouveau, ça. Ah oui, ça peut pas être plus nouveau. Hein. Tu m'en as jamais parlé. Ah ben, il voulait être sûr de son projet pour vous en faire la surprise. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui? Bah, bien sûr que c'est vrai. Et en quoi ça consiste, cet opéra rap? Oh, là. Eh ben, il va t'expliquer. Ah, mais tu vas voir, en plus, il raconte bien. Bon. Je vous préviens tout de suite. Je ne mettrai pas un sou dans cette affaire-là. Ah non, mais les sous, on les a. Ah oui? Vraiment? Et d'où viennent-ils? Eh ben, il va pas vous le dire, lui, hein? Alors, les sous, ils viennent... Oui, ben, j'y viens moi-même d'où ils viennent. Les sous, ils viennent, eh ben, ils sont là, alors... Ils viennent d'un producteur de noix de coco... ...que Monsieur Parachou vient de rencontrer, et c'est même un gros producteur de... De grosses noix de coco. Et alors, il a demandé à monsieur Parachute si on pourrait pas écrire une histoire policière qui se passerait en Afrique, au Golowana, à Yudu Yudu. Et ben voilà, on y est. Quelle drôle d'idée. Je vois pas l'histoire policière se passer ici. Ah ben là, vous voyez mal. Hein. C'est même une histoire d'espionnage. Policière ou d'espionnage? Espionnage policier, de policiers espionnes, c'est pas très défini. En attendant, il raconte bien, hein? Tais-toi, toi. Oui. Continuez-vous? Et comment je vais continuer? Il s'appelle comment, cet opéra rap espionno-policier? Ah, ben nous y voilà. C'est curieux que vous posiez cette question, j'étais sûr qu'on allait y venir. Quand j'ai commencé à raconter, je me suis dit, madame Parachute, on va pas me laisser finir. Elle va tout de suite me demander le titre. Ah ben dis-lui. Hein? Ah ben je dis alors, maintenant, dis-lui le titre. Alors, ça va s'appeler... Avec ça, c'est bon parce qu'on suit le trajet. À droite. Ça va. Ça va s'appeler Coco Finger. Coco Finger. Coco Finger.
Ah oui, c'est pas mal comme titre. Mais c'est un titre provisoire. Et alors, de quoi ça parle, Coco Finger? Oh là, d'un tas de choses, mon parachou. Tout démarre par une histoire d'amour. Ah oui, ça tourne vite à l'action, notez, hein. Et alors, il y a des pointes d'humour, il y a un moment de suspense historique, quasiment implacable, et on part ensuite, ça part dans un tourbillon de détails saugrenus. Oh là, il y en a, j'en passe des pires. Mais racontez, racontez qui c'est, Coco Finger. Voilà, alors, on va pas mettre la fin avant le début, je vais récapituler la situation, hein, voilà. Ça va nous faire du bien à tous. Alors, en gros... Ça va même être un très gros, hein. En gros, notre héros, après un tas de péripéties et de trafic d'argent auquel il n'a strictement rien compris, et que je vous raconterai plus tard lorsque j'aurai moi-même compris quelque chose. Donc, notre héros se retrouve face à face avec une brute, une sorte de bête. Un animal? Ah non, non. Un être humain. Une bête humaine que la douleur a rendue folle. Enfin, fou. Oh, y a de l'idée, ça me plaît bien. Alors, notre héros se retrouve attaché sur une chaise. Pourquoi pas plutôt au radiateur, dans la salle de bain? Vous avez beaucoup vu de radiateurs en Afrique, vous? Oui, vous avez raison. Si on continue. Notre héros se retrouve attaché sur une oui, chaise. Oui, mais ok pour le radiateur. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont quand même pas dans la salle de bain? Parce que c'est moi qui raconte, là. Ah bon, d'accord. Notre héros. Mais tout de même. Ça me rappelle quelque chose, ça. Lavabo. Ah! Ouais, ouais, mais non. Alors, salle de bain. Baignoire. Baignoire, supplice. Ben oui, pour votre histoire, là. Ah! 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 Mais... Ça fait le malin, toi. Ouais, fais le malin, toi. Baignoire, ah oui, oui, baignoire, supplice. Ouais, 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 ouais. Silencieusement dans la nuit tropicale. Oh, oh, y a de l'idée, y a de l'idée. Ah, tant mieux. Et ensuite? Oui, ben ensuite, on n'a pas tous les éléments. Alors on s'est arrêté à bonbons, chocolat, caramel et entraque. Yeah. L'intrigue, elle a... L'intrigue, elle a palpitante. Mais dites-moi, c'est pion. Excusez-moi, j'interromps votre petit 4 heures, mais... Ah. Et le... Comment vous avez appelé ça, là, le rap? Le rap? Le rap? Ah oui, il n'y a pas de rap, là. Dans ce que vous m'avez... Ah oui, non, mais pour le rap, il faut de la musique. Le rap, c'est une danse, ça se chante. Mais vous verrez, patronne, avec une bonne musique, je vous ferai un rap qui deviendra un tube d'enfer. Ah, dans les boîtes, ça va danser, là-dessus.
Eh ouais, le fera. Eh ouais, trompe pas avec la zigmue, on va faire le fera. Dans les deux mois, ça va ses dents. On va faire un peu de tu. Ça va guédra. Ah, la yeuve, elle est chez vous, hein. Le fera, le rap, patron, trompe pas. Ah, elle a mieux vu, hein. Le fera. Go, vas-y, Ogolowana, vas-y, fais chaud dans ton bengalo. C'est pire que le métro, et vas-y, go, 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 vas-y, Ogolowana. Si ta mère elle pique dans le prisonnier, moi j'embarque le fric et je nique les moustiques. Vas-y, go, 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 vas-y, Ogolowana, vas-y, fais chaud dans ton bengalo. C'est pire que le métro, et vas-y, go, go. Il y a de l'idée. Et encore, c'est qu'un premier jet, là. Il donne pas le maximum. Il faut travailler, hein. Alors, on y croit, mon histoire d'opéra. Ah, oh, c'est vrai que tout ça, ça manque pas. Je suis heureux de vous l'entendre. Moi qui vous prenais juste pour un petit comptable, je ne savais pas que vous aviez un sens artistique aussi développé. Puis alors, ce soir, ça se développe pas plus d'un. Allez, je te l'ai dit, hein. Mais bien, hein. J'espère que... tu l'as augmenté en conséquence. Hein? Tu l'as augmenté. Pas augmenté. Si Monsieur Parachou m'a augmenté en conséquence, Madame Parachou, vous y pensez bien. Monsieur Parachou a sauté sur l'occasion pour doubler mon salaire. Et ensuite, il s'est repris, il a insisté pour tripler mon salaire. N'est-ce pas, Francky? Merci, Francky. Tripler, tripler. Et pour être talent, non? C'est vrai que le talent, ça se paie. Merci, Madame Parachouri. Appelez-moi Marie-Simone. Marie-Simone. Eh oui, tu fais partie de la famille, maintenant. Hein? À propos de famille, cette fille-là, très, très... comment dirais-je... trop, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle faisait là, avec toi? La fille? Mais c'est très simple, ça. C'est... Et ce revolver? Ah, ça aussi, c'est très simple. Hé, hey, si je te le dis, tu vas pas me croire, hein? Tu vas pas me croire. Dis-lui toi, s'il te plaît. Voilà, vous pensez si c'est simple? Ah! Ben oui, c'est simple. La jeune fille que vous avez croisée, c'est la monitrice de tir à... la revolver. Oui? Et pourquoi vous avez tous plongé par terre comme ça quand je suis entrée, hein? Ah, ça c'est que je te le dis. Dis-lui toi, Sifion. Ah oui, c'est très simple. Alors, comme d'habitude, c'est très simple. Voilà. C'est que pour savoir qui en premier allait prendre le cours de tir à la revolver, on a tiré au sort. Alors, on a jeté le revolver en l'air, et le premier qui l'attrapait, il prenait le premier cours. Seulement, voilà, le revolver allait tomber par terre. Alors, on s'est jeté par terre pour attraper le revolver, parce que le premier qui attrapait le revolver, il prenait le cours en premier. Et voilà. Drôle de méthode, mais il y a de l'idée. Et Kojak, il s'intéresse aussi au tir. Ah, Kojak, il s'intéresse aussi au tir. Ah oui, pouf, c'est moi. Alors, Oh, Kojak, il s'intéresse au tir. Vous pensez c'est une passion, il a ça dans la peau. Ah. Oui, mais enfin, il est surtout avec nous à cause d'un problème de surbooking. Ben oui. Voilà. Tu vois, comme c'est facile de trouver une explication à tout. Ça va, ça? Qu'est-ce qu'il y a? Va pas te mettre encore Charles Martel dans ta tête, toi. Là. Allez, je sais ce qu'on va faire. Je me renseigne à la réception et demain... Qu'est-ce qu'on prend demain? On prend le premier avion pour Venise. Et ton opéra rap? Hein?
Ah oui, là, ben, il va s'en occuper, pas vrai, Citian? Là que ça va faire. Ce qu'il nous faut, c'est une seconde lune de miel. Venise, les canons, les gondoles, les moins... Non, les pigeons, c'est pas romantique, hein? Ah oui, c'est ça. Ah, tiens, pourquoi pas le carnaval? Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'en ce moment, c'est plus la saison du carnaval, madame Parachou. Cela dit, si vous avez des envies de bal costumé, j'ai entendu dire qu'il y en avait un ici ce soir. Eh ben, voilà une bonne idée! Eh, si vous allez au bal costumé... Ah oui? Un bal costumé! Un bal costumé? Un bal costumé! Oh, je me suis pas déguisée depuis les jeunettes! Oulon! De toute façon, j'ai pas de costume. Oh, ben vous inquiétez pas, ils ont certainement tout ce qu'il faut à la costumerie. Ah bon, à la... Eh oui, il a raison. Tu sais quoi, moi, je te vois si en colombine. C'est ça. Ou en sirène. Oui, en sirène. En gros sirène. Dites-donc, si je vous permets pas. Non, non, en sirène. Ouais, mais pas sans sirène. En masse. Une seconde, j'arrive. Oui, j'arrive. J'arrive. Quelle histoire, hein? Mais laissez-moi vous expliquer. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à la petite tout à l'heure? Je sais pas. M'a déçu, hein? Ah, bon, ça, je te le dis comme je le pense, ça m'a déçu. Ah, hein? Oui, ça je comprends. Mais écoutez, moi quand je fais des millions de kilomètres pour apprendre qu'elle fricote avec cette abruti. Ah, en parlant de l'abruti. Je sais pas ce qu'elle y trouve, hein. Eh, yeah. Sifion, franchement, entre lui et moi, il n'y a pas photo. Ah non, ça y est, pour photo, hein. Mais plus agressif, tu as vu comment il était agressif. Laissez-moi parler. Tu as vu comment ma fille avait le costume. Eh, regarde, Sifion, est-ce qu'il n'y a pas deux minutes. Ah, je suis membre déjà. C'est pas romantique, ça. Je vais péter un boulon. Séjour de rêve au Golowana, il disait. Le catalogue et moi n'a pas la même conception du rêve. Bon, récapitulons la situation calmement depuis le début. Alors, si Marie-Simone découvre l'entourloupe, au cas où elle me trucide pas, moi, je suis viré. Si je laisse le fric et que je rentre à Bagnolet par le premier avion, même au risque d'être malade, parce qu'il vaut mieux être beaucoup malade qu'un petit peu mort, les autres finiront par me retrouver et moi je finirai éparpillé dans des poubelles aux quatre coins de la France. Continuer à jouer les truands, ça peut pas durer longtemps. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est pas pour dire du mal, mais je suis dans la merde. Sans parler de l'autre abruti qui arrive de nulle part, qui balance son proverbe et qui repart en courant. Ah ben c'est pas gagné. Qu'est-ce que je disais? Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, hein. C'est reparti. Bon écoutez, perdons pas de temps, vous êtes bien Barthes. Il y a changement au programme, c'est à moi que vous donnez l'argent. Ah ouais? T'es sûr? Parce qu'il faudrait pas qu'il y ait un lézard, hein? Une fois, il y a un mec clos qui l'a mis son nez dans leurs affaires, on a retrouvé sa poubelle à garçon. On a retrouvé une rotule à Dieppe et des pointes de barbe. Un menton. Ouais. Eh ben ça m'impressionne pas tout ça, Wilfric. Non, t'arrives pas là pour cela, non. Mais
dis-moi... Quoi? Tu travailles à visage découvert? C'est glauque, ça. C'est glauque. Non, c'est pas glauque, non. Et comment t'es payé, ta? Hein? T'es au fixe ou à la com? Ça, c'est mes affaires, ça te regarde pas. Oh, ben t'arrives pour la porcelaine, hein? T'as ici. Mais je te pète ta gueule. Et puis moi j'ai... Ces manières de vous mettre de l'éther sous le nez. Ah non, attendez, c'est pas de l'éther, c'est du chloroforme. Eh ben ça pue drôlement quand même. Ah. Et puis si vous êtes venu voir Bart pour jouer au docteur et lui enlever l'appendicite, vous avez tout faux. Parce que moi, l'appendicite, on me l'a enlevé à 7h30. Et en plus, je suis même pas Bart. Alors pourquoi m'avez-vous dit que c'était vous tout à l'heure, enfin? Oh, hein? J'ai rien dit. J'ai pas contredit. Nuance? Ah ouais. Puis de toute façon, depuis que je suis allé au Golo, voilà, je sais plus qui faut que je sois. Mais comment ça? Mais quoi? Mais je comprends rien, moi, là. C'est pourtant simple. Ah bah. Qui que je sois, c'est toujours à moi qu'on s'en prend et c'est toujours moi qui prends. Ah bon? Notez, j'ai l'habitude, monsieur. L'habitude, c'est comme ça. Et là, c'est comme d'habitude. Mais tout est plus concentré, alors... Ouais, mais attendez, attendez, moi si je suis venu, c'est pas... Ouais! Eh ben tu vas payer pour les autres! Stop, stop, stop! Attendez, stop, qu'il y a les flics? Si! Stop, c'est pas une raison! On est attaqué par un troupeau de papillons bleus! Non, mais enfin, mais non! Mais non, ils sont roses, regardez! C'est... Ah ouais, chloroformeur et daltonien. Voilà. Ne vous inquiétez pas, bah c'est un effet dû à l'acide formique que nous avons inhalé, c'est sans danger, ça va passer. Respirez calmement par le nez, allez. C'est très bien, c'est encore un petit coup. Et c'est quoi l'acide formique? Eh ben, c'est le chloroforme. Oh, vous avez fait de grandes études de médecine, vous? Oh non, vous savez, non, pas spécialement. 8 ans? Comme tout le monde. Bon. Oh bah ça va aller, va. Ça va aller. Ah! Elle est tombée. Oh. Oh. Je tombe! Oh! 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 Pas plus. Alors comme ça, vous êtes docteur? Ouais, docteur, ouais. Ah ben moi, je suis comptable. Oh bon? Et dites-moi, vous avez fait médecine et spécialisation voleur? Non, mais ça va pas, non? Non, mais la vérité, c'est que... Je suis médecin, hein, mais je suis pas vraiment voleur, vous voyez? Oui, mais je vous crois. Bon. Et puis, je vais vous dire, j'espère que vous êtes bon docteur, hein. Ah ouais? Parce que comme voleur... Bon. Enfin, laissez quelques empreintes de pas, ça et là, je dis pas. Eh ben... Mais... Laissez la chaussure, ça fait amateur. Ouais, bon, ça va, ça va. Hein. Bon, bon, voilà. La vérité, c'est que je suis médecin, hein. Dans un camp de réfugiés à 15 km d'ici. 280 000 personnes, on manque de tout là-bas. Mais c'est pas une raison pour me fleurocormer. Moi, je veux bien vous le donner, mon tube d'arispine, ça changera rien. Hein. Non, non, non. Non seulement on manque de médicaments, mais surtout, on n'a plus d'eau potable. Pas assez de jerrycan, plus de haricots, plus de farine de manioc, rien, rien. Moi, ça me rend fou, moi. Ça me rend fou de voir qu'à côté, les touristes viennent se faire bronzer. Et pire encore, que des multinationales soutiennent ces massacres au nom d'un intérêt soi-disant supérieur. Mais mon cul, oui, c'est pour le fric, ça. Hein? Bon. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez niqué la stéréo. Mais qu'est-ce que Bart vient faire là-dedans? Ben voilà, l'autre soir, dans un bar,
J'ai fait la connaissance d'un colonel de la milice. Et là, après une demi-douzaine de tequila, il a fini par me raconter qu'ils attendaient des fonds. Plus de 10 millions de francs qu'un certain Bart devait leur apporter en passant par le club pour être plus tranquille. Hein? Et alors? Bah et alors, tout à l'heure, j'ai rusé au planning du club pour savoir dans quel bungalow était ce fameux Bart. J'ai inventé un nom de famille, ils m'ont dit bungalow 216, et voilà quoi. C'est 007 au Golowenal. Mais non, la rage donne du culot. Et puis vous savez, je crois qu'on est responsable de ce qu'on n'essaye pas d'empêcher. 1 milliard de centimes, non mais vous vous rendez compte, vous vous rendez compte ce que ça représente, 1 milliard de centimes. Ça en fait des jerrycans et des kilos de farine de manioc et des haricots. Oh là là. Ça, c'est... Et comment vous comptiez vous y prendre pour récupérer l'argent? Oh, je sais pas, ça je me serais débrouillé pour le rapatrier sur l'Europe et puis après... Ah, parce que vous comptiez que Marc vous remette sa tirelire comme ça? Mais non, 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 c'est en médaillé de colonel, il était tellement bourré, il m'a même donné le mot de passe, d'ailleurs. À ce propos, c'est bien un petit chez-soi, vous... Ouais! Quand on voit ce salopard de dictateur se pavaner, là, pendant que les autres sont en train de crever, moi, ça me... Eh ben, ça y est, moi, c'est fini. J'ai l'impression que ça s'est évacué, les effets de l'acide formique. L'acide formique? Mic. Mic, mic, mic. Je m'appelle Thierry. Et vous, vous appelez comment, alors? Oh, je sais plus. Bah ouais, mais là, moi, je... Exactement, je sais plus. Maintenant, si vous voulez, en gros... Oui, oui. Oh non. Bon, écoutez, en gros, vous êtes la seule personne honnête que je connaisse ici. Alors, tenez, prenez ça. Entrez là-dedans, attendez-moi et bougez pas. Mais enfin, mais pourquoi? Entrez là-dedans, bougez plus, je vous dis. Et ça pue là-dedans, hein? Oui, eh ben ça tue les moustiques! Aïe! Aïe! Eh ben enlevez vos doigts! Pion? Oui! Oui? C'est pas ça que je vous ai entendu parler. Ah ouais? Ah ouais? Non, si! Ah ouais? Non! J'ai négocié avec un moustique. Décidément, c'est une obsession. Ah oui, ben les obsessions qu'on peut, hein? Pion, je voulais vous parler très calmement. Parce que tout ça, c'est très compliqué. Ah, vous me trouvez, vous aussi? Mais... Je vous sens bien. Oh, moi aussi. Ah, oh là, oh là. Vous trouvez pas un peu subite ce retournement de votre odorat, là? Je vais être de votre côté. Oui. Enfin, à côté de vous, oui. Quoi, avec bah, vous. Bah, Valérie, maintenant, c'est qu'elle, ça suffit. Je vois. Quoi? Je vous plais pas? Non! Voilà, et bien alors vous me plaisez pas du tout! Menteur! Bon, arrêtez, maintenant je vous dis, ça prend plus, hein. Eh ouais, mon pote, on gagne pas tous les coups. Oh non, pas elle. Alors tu vas t'asseoir gentiment sur cette chaise. Oui. Et puis on va reprendre notre conversation. Oui. Interrompue tout à l'heure. Parce que j'ai encore 2 ou 3 petites questions à te poser, moi. Oui, voilà. Ta ceinture. Donne-moi la ceinture. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Aïe, qu'est-ce que vous faites? Ah non! Ah, ça pouvait me taper, vous pouvez me frapper, je dis rien, vous m'entendez rien? Ah, il y a des coups de poing dans la figure qui font moins mal que les coups de couteau dans le cœur. Ah. À propos de couteau, justement. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ça pousse vite la barbe, hein, cette chaleur. Oh non. T'aurais besoin d'un petit rafraîchissement. Attends. Va faire le guet. Je sais qu'on vit très bien sans oreilles, mais pour tenir les lunettes, on a beau dire, c'est quand même très pratique. Et ça vous avancera à quoi de me couper les oreilles? Ah, c'est pas pour moi, non, j'ai ce qu'il me faut. Mais c'est pour délier la langue. Parce que j'ai l'impression que par rapport à nous, tu as, comme tu dirais, un cadavre dans le placard. Oh, vous êtes balèze, hein? Ouais. Bon, écoutez, je veux bien vous dire qui je suis. Ah bah, tu vois quand tu veux. Voilà, je... Mais à vous seulement, mais c'est... On n'a pas trop peur. Voilà. Je suis un casque bleu. Et moi, je suis un des Beatles. Je sais, ça paraît énorme. Non. C'est
mignons, ces nouveaux uniformes. Hein? Pas discret, discret, mais mignons. C'est les uniformes de nuit, c'est pour dormir. Là, c'est sur tes deux oreilles que tu vas pouvoir dormir. Puis tu pourras même les mettre sous l'oreiller. Et puis avec un peu de chance, la petite souris, elle t'apportera une petite pièce. Comme pour tes dents, dont les heures sont également comptées. Tu me prends pour une tanche. Vous croyez pas? À ton avis. Ah, oh, vous avez tort. Je fais même partie d'une section spéciale qui doit faire la passerelle pour que la jonque. Écoutez, j'en démarre maintenant, puisque c'est comme ça, je crache le morceau. Alors voilà, approchez. T'es pas trop près. Voilà, j'ai un pied dans les casques bleus et un pied dans la CIA. Qu'est-ce que c'est cette cloquerie? T'es américain, toi? Yes, of course. My name is Tiger. Vous essayez de nous embobiner, non? Oui, enfin, de ce côté-là, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas encore des bobards? Mais rien, sur mon passeport à profession, il n'y a pas écrit agent de la CIA. Ah, oui. Puis de toute façon, vous avez mis le doigt dans un engrenage qui va vous agir menu. Il fallait mieux l'arrêter pendant qu'il est encore temps. Un conseil. Bon, écoute, je suis désolée, mais moi j'étais censée rester au planning toute la soirée. Faut que je retourne ou ça va sembler bizarre. Alors tu m'appelles ou tu m'enjoins là-bas, ok? Les rats quittent le navire. Dis pas n'importe quoi. Tu sais très bien que je risque aussi gros que toi dans cette affaire. Je... Non, rien. T'as vraiment pas la tronche d'un agent de la CIA. On n'a pas tous la gueule à Roger Moore. Hein. Et puis on n'est pas tous en train de se balader en hélicoptère pour infiltrer, il y a plus discret. Et ton patron? Il est américain peut-être? Yes, of course, too. His name is Frankie Epperstein. It is un juif new-yorkais. Et l'autre? La Jeannette Arsor. Comment elle s'appelle déjà? Appelez-moi Mélusine. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est un peu grand, mais il y avait que ça à la costumerie. It is wonderful. Francky n'a encore rien vu, je vais lui en faire la surprise. Ils vont être déçus. Et en plus, j'ai l'arme suprême. Comprendre qui pourra. Je vais me chercher une petite laine. On a beau être fait, on n'en est pas moins frileuse. Non! Et vous allez avoir trop chaud, il paraît qu'il y a des grosses vagues de chaleur la nuit en Afrique. Eh ben je l'enlèverai. Ah oui? Non! Arrête! Oui, ben dis-lui, c'est dommage, ça va masquer sa robe. Le balantier est masqué, je t'étonnerai pas. Ah, you want to infiltrer the ball. Pourquoi il parle en version originale, lui? I am very... Comment tu dis impressionné? The ball. I don't know. I don't know. De toute façon, maintenant, c'est trop tard, on dit plus rien. Non! What is it? What is it? What is it? But you see what is it? It is un témoin gênant qui témoignera plus. Please. Don't talk like that. I talk like I want. So now you turn and you leave this room quickly. Hey, go to play in the garden. Pretty woman. Mais c'est bien. Ouais. Vous êtes fou, qui sait? C'est le plombier. Dans le placard. Oui. Il cherchait un tuyau. Faudrait l'emmener dans la salle de bain pour le rafraîchir. Vous avez raison. Pauvre garçon. Oh. Ça va, il est pas trop lourd. Ah ben c'est que vous voyez, je suis très attaché à cette chaise. Pardon. Mais Scipion. Oui. Mais vous êtes attaché à cette chaise. Oh. C'est globalement ce que je viens de vous dire. Par la parachute, eussiez-vous la bonté de m'aider à me délivrer? Écoutez, Scipion, votre vie privée ne me regarde pas, mais enfin, je ne savais pas que vous aimiez les chauves. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? N'allez pas croire n'importe quoi, prenez-le par les pieds. Ah, moi, je pense que je vois ce que j'ai vu. C'est que vous étiez avec le grand tourdu qui vous attachait sur une chaise. Oui. Alors, a priori, c'était pas pour faire un bridge. Ah ben non, évidemment. Bon, ouvrez la porte. Ah merde, elle est fermée. Ben ouvrez la porte, Scipion. Lâchez le bras. Bouge pas, toi. Voilà.
Je vous raconterai ça un jour, la mer sera plus calme parce que là, je ne sens pas bien. Oui, attendez, posez-le haut. Oui, mais fermez la porte. Bah, comment voulez-vous que je le fasse? Oh, oh là là. Bon, il n'y a personne. Aïe! Allez, maintenant, je ne veux pas votre histoire. Qu'est-ce que tout ça signifie? Tu veux justement, je sais plus. Bon, c'est trop facile, tu vas pas te retirer comme ça, hein? Ah, j'en ai peur, ouais. Mais t'as monté tout ça exprès? Évidemment. Sauf que je savais pas que tu étais avec l'autre, là. Je suis avec lui sans lettre, on travaille plus ou moins ensemble, c'est tout. Avec lui sans lettre, plus ou moins, c'est pas clair ton truc. Et cette histoire de balle dans le genou, hein? J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus! Ça devient trop compliqué. Allons, ma colombe. Qui c'est qui est là? C'est le papa? C'est le rara? Allez, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Tu sais que je n'arrive toujours pas à effacer le souvenir de ces deux nuits que nous avons passées ensemble. Bon, allez, j'y vais. Oh, c'est bien, t'as vu, on s'est réconciliés. Il y en a fait. Ah, chapeau pointu. Oui, c'est le chapeau de la fessée. De la fessée, c'est le chapeau pointu de la fessée. Un chef d'orchestre. Oui, non, c'est la fessée. Allez, va jouer au robinet. C'est la fessée. C'est la fessée. C'est la fessée. C'est la fessée. Salaud. C'est la fessée. Marie Simone, tu es là? Ah, ah, je te cherchais. Oui, je suis là. Et je vois ce que je vois. Cette fois-ci, c'est parfaitement clair. Je suis drôlement embêté, j'ai pas choisi mon déguisement. Le masque de traître te va très bien. Je vais t'expliquer. Non, mais tu vas me prendre pour une idiote encore longtemps, je... Momone, assieds-toi. Momone. Momone. Tu la vois, celle-là? Oh non. Tu la vois, celle-là? Non, non, non. Tu as un problème d'argent? Oh, quel idiot, oui. Comme si tu savais pas de quoi je parle. Mais il est pas au courant, non? Hé, hey, ça canarde de tous les côtés, hein? On va tous y passer. Ah, parce qu'ils torturent eux aussi? Ils adorent ça. Ne vous fatiguez pas. Cette fois, je ne marche plus. Qu'est-ce que vous foutez là aussi, pion? Rien. Foutez-moi la paix! Mais il a raison, mon bon dernier! D'abord, pourquoi tu vas partir? Hein? Allez, vas-y, question encore, tu imaginais! C'est pourtant simple, non? Explique-lui, Cyprien. Bah, tu vas pas la laisser partir comme ça? Explique-lui, imbécile! Tu sais ce qu'il dit, imbécile! Il y en a marre! Vous avez pété les câbles ou quoi? Mais il est ton gros mec qui est pendu de l'heure! On a 5 minutes? Oui, mais ça risque d'être 5 gagnants, alors j'ouvrirai le fond de la pensée sur tout ce que j'ai sur le cœur, moi! À commencer par vous! Valoriser. Ouais! Boule de juif! Porte-flingue et porte-fric! Mais j'ai jamais été de contact de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit! Et apprenez que j'ai jamais fait partie d'une quelconque organisation! Et j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi tu m'as remis cet argent! Tu m'as donné le mot de passe! J'ai pas fini! Évidemment, quand t'as commencé à me débiter tes salades de canapes découpées en tranches, moi je pouvais plus reculer. Mais en venant au Gogolowana, je ne voulais que deux choses. Un, me reposer, faire du sport. Deux, oublier les brimades de ce patron. Imbécile et prétentieux. Parfaitement imbécile et prétentieux. Qui pense qu'à me tirer l'oreille à longueur de journée. Frankie, comme tu étais, comme tu es devenu. Ça fait mal, et puis ça énerve, hein? Oh, ça énerve! Attention, on va monter, allez, on descend, on descend! Imbécile et prétentieux! Et d'ailleurs, ça me fait penser que depuis 10 ans, matin, midi et soir, vous me tirez l'oreille tous les jours. Et moi, tous les jours, je garde ça sur le fond du cœur en me disant qu'un jour ou l'autre, je pourrais vous le mettre en pleine gueule le jour venu. Le jour est venu! Mais...
Cet imbécile, ce prétentieux, c'est mon patron et sa société de production, là. Top Dance Production. Mais ça n'a jamais été une couverture. Ou plutôt si. Mais pour courir après tout ce qu'il y a deux, trois ou quatre seins. Parce que madame Parachou, il faut que vous le sachiez, ouais. Marie Simon, c'est à vous que je m'adresse, sachez-le, c'est que vous êtes cocu. Mais c'est pas des cornes que vous avez sur la tête, c'est un panier de chaque côté. C'est bien du délire. J'ai pas fini. 10 ans que je suis brimé, alors là je me débrime et je me débrime à fond la caisse. Parce que si les millions de Rwanda et de Yudou dans ce club de vacances, dans mon single, ça n'a jamais été pour recruter une bande de rappeurs africains, mais non. C'est uniquement dans le seul but de venir retrouver cette, sans savoir non plus qui elle était exactement. D'ailleurs, voilà, j'ai fini. À noter que ça fait du bien. Non pas, Marie-Simone. C'est vrai que je suis peut-être pas un mari idéal. Mais c'est pas de ma faute si j'ai des maîtresses. C'est plus fort que moi. Il y a qui regarde deux fraises, ils font une poussée d'urticaire. Moi, je regarde une paire de seins, je fais une montée glandulaire. Enfin bref, j'ai le sang qui se rue vers les organes intéressés. Voilà. Mais c'est toujours vers toi que je reviens. Tu as même ton argent, espèce de salaud. Oui. Mais non. Maintenant même plus. Il te reste plus rien, j'ai pratiquement dilapidé toute ta fortune. Tu crois que je ne sais pas? Tu étais au courant? Évidemment. Dis, tu sais, pour mon problème de glandulaire, ça va sûrement se calmer. Encore un peu de patience, Marie-Simone. Tu te fais du mal pour rien, tu as tort d'être jalouse des autres. Et moi, si je suis jalouse, c'est parce que je t'aime, Francky. Je t'aime. Et à mon âge, on fait pas le poids face à ces tas de chair fraîche. Y a qu'à regarder les filles aux couvertures des magazines, elles sont à peine pubères, on peut pas lutter. Moi, une nuit trop courte, et j'ai une figure de rabouillis. Alors évidemment, je surveille, je guette, j'épie. Je m'accroche, quoi. Je sais que c'est maladroit, mais je t'aime, Francky. Moi aussi, je t'aime. À ma manière, c'est pas la bonne, je sais. Mais je t'aime. Hey. C'est pas un peu tard pour nous jouer les cœurs sensibles, là? Arrêtez! C'est du rouleau tes mains. Merci. Chaque fois, c'est pareil. On se coupe une droite à vous et on me jette par la vitrine. C'est du rouleau tes mains. Et à chaque fois, je me fais avoir. Puis c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à aimer chez un homme, même chez le pire. Si. Cette fois-ci, c'était le temps de la milice. Il était beau. Ouais. Ça, il était beau. Un jour, il m'a demandé de leur donner un coup de main. En réceptionnant de l'argent qu'une multinationale fait passer pour soutenir le dictateur. C'était soi-disant une preuve d'amour. J'ai pas su dire non. Moi, ce que je voudrais, c'est rencontrer un homme qui m'aime pour ce que je suis vraiment. Un homme avec qui je puisse poser mes valises, vivre normalement, avoir une maison, des gosses. Oui. Oui.
Ça fait pas un peu Blanche-Neige et les sept nains? Mais là, je me moque pas méchamment. Mais... Je la comprends, remarquez. Ah ben, voilà autre chose. Moi, à l'école, on m'appelait Mimi. Pendant des années, on m'a appelé Mimi. Bah oui. Mon vrai prénom, c'est Barthélémy. Bon, je sais, j'ai l'air d'une brute. Au fond, je suis un loukoum. Pour vous dire, j'entends une fanfare et... je chiale. Moi, c'est débile, mais je chiale. Alors je pense à mon père qui me disait toujours, ça pleure pas un homme. Pourtant, c'est beau un homme qui pleure. C'est attendrissant. On a envie de le prendre dans ses bras. En tout cas, moi, ça me donne envie. Même quand il pleure pas, d'ailleurs. Le mort. Mais l'émotion vous égare, vous voyez bien qu'il bouge. Mais alors qui c'est? C'est le plombier. Le plombier? J'ai jamais vu avant celui-là. Eh ben, il est nouveau. Mais tout fonctionne bien. Ah oui, mais on l'envoie que quand tout fonctionne bien, parce que s'il y a un problème, il n'est pas assez qualifié. Moi, si lui n'est pas qualifié, mais dehors, il y a des pros de la mitraille. Hein. Bon, il faut que j'aille lui apporter l'argent et peut-être pas trop tard. Qu'est-ce que tu en as fait? Hein? Où est le fric? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit, là? Oh, oui, vous retournez dans la salle de bain. Non, mais ça va pas, non? Comment ça, ça va pas? Mimi, marchand de sable. Il y a la salle de bain. Marchand de sable est passé. Oh, y'a Mimi, y'a mis une patate dans sa gueule! Y'a Mimi, y'a mis une patate dans sa gueule! C'est bien fait pour ta gueule! Allez, donne-moi le fric, j'y vais! Toi? Ah oui? Là-bas? Bah oui. Avec le fric? Ah non. Bon, non. Non. Ah non. C'est moi qui vais y aller. Tu sais même pas où je vais déposer l'argent. Eh ben, tu me le dis et j'y vais. Ok. Je dois le déposer dans une des cabines de la plage. La 18. C'est juste à côté du ponton. Sur la plage, la cabine 18 à côté du ponton. Oui. Eh ben, c'est parti. Tu n'as rien à faire dans toute cette histoire, toi. Eh ben, maintenant, un petit peu, si, quand même. Tu risques d'y laisser ta peau. Oh! Personne ne viendra jamais la chercher, alors ça n'a pas une grande importance, tu sais. Puis dans une petite vie de comptable, on n'a pas l'occasion d'être un héros que tous les quatre matins, alors... Ne gâche pas ça, s'il te plaît. Scipion, tu sais... Ah, Francky! Mimi va te mettre une patate dans ta gueule, hein! Quelqu'un a briqué du feu, des allumettes, là, voilà. Donne-moi ça. Tiens, que patin, il est encore vivant, dis donc. C'est pas un briquet, ça, c'est un lance-flamme. Un truc à se cramer les cheveux. Un homme
homme comme ça que j'aimerais rencontrer. Moi aussi, c'est un homme comme ça que j'aimerais rencontrer. Si j'avais su, il y a longtemps que je lui aurais confié d'autres responsabilités. Et moi, si j'avais su, jamais j'y aurais tiré l'oreille comme ça. Là, sur la tombe de ma mère, s'il s'en sort plus jamais, je lui tire l'oreille. Si ça sort, s'il veut bien, moi je... Hé hey. Je l'ai connu avant, hein. On n'aurait jamais dû laisser partir. S'il en revient, ça risque d'être en quitte. Il est là. Oh putain, ça y est, c'est parti, 36-15, code massacre. Mais non, pas du tout, c'est les queues de fou, les coups de feu, c'est les papous. Les papous? Non, pas les papous, les coups de feu, c'est papounou. Réflexeurs, ne sortez pas de vos bungalows. Attendez nos instructions. Restez calme. Les opposants qui ont fait un cas d'étau, un coup d'éclat, un coup d'état. Ils ont raté, attaqué le quart d'empoté. Le port d'à côté. Le port d'à côté. Ah. Alors là, c'est plus mis, les milices, les milices, c'est plus mini. La milice, tu as été rappelé, elle a fait, par exemple, elle a raté qu'elle a remporté. Elle a raté, Colonel. Ah ben, pour un félé, c'est un peu mieux. Pour un félé. J'en étais sûr. Quoi? Ah bon? Là, c'est la milice. Là, c'est la milice qui résiste, mais le dictateur, il est. Comme la crème. Renversé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? T'as pas entendu? On va rester crâne. Ok. Et le fric alors? Eh ben, on va pas courir après le dictateur pour lui remettre l'argent, non? Ah, mais le groupe pétrolier qui entretient Jean Thibault, il va nous demander des comptes. Eh ben, les comptes, c'est mon métier. Non. Ils vont nous envoyer des tueurs pour nous descendre. Et pourquoi faire? Le contrat n'a pas été respecté. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Mais l'argent est là. Et qui le sait? Mais nous! Et à part nous? Personne, c'est vrai. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. Comme convenu, Valérie a bien déposé l'argent dans la cabine 18 sur la plage près du fronton. Seulement voilà, 15 secondes après, plus de cabine 18. Plus de cabine 17, plus de cabine 19, il n'y avait même plus de fronton. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion par Emisson, Maritipo. Un parachute, une terrible explosion. C'est fou, c'est fou ce qu'on peut faire avec un briquet et deux bombes anti-moustiques. Et dans l'explosion, l'argent a complètement disparu. C'est bête, hein. Oh, c'est bête. Mais c'est le destin. T'as tout fait péter. Ouais, non. C'est le destin. Mais alors, les 10 millions sont là-dedans, c'est ça? Ouais. Mais c'est pas ton destin. C'est vrai que 10 millions de francs, c'est attirant. Moi, si j'avais 10 millions de francs, je commencerais par m'acheter une petite balle en plastique orange.
pour faire courir un caniche blanc. Bah, le blanc, c'est ce qui ressort de mieux sur le cuir marron des sièges d'une Rolls. Parce qu'avec 10 millions de francs, j'aurai une Rolls que je mettrai dans un grand garage. Il y a toujours des grands garages dans les belles propriétés, surtout celles qui ont des plages privées. Avec 10 millions de francs, tu commences par t'acheter une petite baballe en plastique orange et tu finis propriétaire d'un bout d'océan bleu. C'est l'engrenage. Mais ça fait rêver. Dis moi, j'aime bien les caniches. C'est marrant comme ils sont tondus des fois. Ah, le boulet! Bon, et Blanche-Neige, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? C'est ça, votre image du bonheur? Mais il faut bien une grande maison si on veut que chaque nain ait sa chambre! Dis donc, tu sais quoi, Cyprien? Tu me prêtes 500 000, je te fais un tube, on devient milliardaire. Pas question! Bon, tu vas pas garder tout ça pour toi, non? Pas Ismaël le plombier, marchand de sable pour le plombier! Ben écoute, Mimi, ça suffit maintenant. Hein. Et puis de toute façon, il est pas plombier, alors. Ben qui c'est alors? Ah ben dis-leur qui t'es, man. Ben voilà, je suis médecin dans un camp de réfugiés à 15 km d'ici, et comme je savais qu'on pouvait récupérer de l'argent... Voilà, comme il savait que 10 millions de francs arrivaient, il s'est imaginé qu'il y avait moyen de les récupérer. Ouais, parce qu'on crève de faim là-bas, figurez-vous. Vous êtes à Bahama? Ouais. Bon. Ben écoutez, vos petites affaires, c'est bien émouvant, mais moi j'ai des courses à faire. Alors, monsieur dame, bien le bonjour. Mais il n'y a pas de caniche dans le coin. Oh, le boulet, le boulet. Mais y a rien dans le coin, c'est pour ça que je vais faire mes courses à Paris. D'ailleurs, faudrait que je fasse une liste parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donnez-moi de quoi faire. Y'a de petites patates à ta gueule, moi. Évidemment, quand t'as besoin de quelque chose, y'a pas. Donnez-moi de quoi faire une liste. Ah, voilà. Maman. Francky. Oui. Stylo. Comme il était, comme il est venu. Bon, alors, on commence par quoi? Allez, la farine de manioc, 10 tonnes, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Mais tout, tout, de l'huile, des haricots, du plastique sheeting. Et mon pépère, t'as pas nous la jouer en anglais non plus, hein? Alors tiens, plus simple, toi tu vas faire la liste, tu écris tranquillement et tu écris lisiblement pour que je puisse te relire. Et dès que la liste est prête, tu la donnes à Valérie qui nous la faxera à Paris au bureau de monsieur Parachoux. Ok, ok. Donc voilà le numéro de fax du bureau de... Top Dance Production. Voilà. D'accord. Et ça, c'est la Valstar Parachaud, hein? Dis-moi, hein? Sur ma vie, les yeux des enfants, la vie de ta rachette. J'ai vu Simon comme il est beau, hein? Sur ma vie, jure-moi, la vérité. Scipion, on dirait un financier sans frontières. Sur ma vie, hein? Sans frontières, j'ai pas fait. Sans pantalon, ça, c'est sûr. Rien vous échappe, vous, hein? Je crains que si. Bon, allez, maintenant, on s'organise, là. Allez, ça suffit. Alors, voilà, on va se la jouer sanitaire. Mais puisqu'il a dit qu'il n'était pas plombier. Vous le commandez à la Redoute, il sera en rupture de stock. Mais on n'a pas besoin d'un plombier, mais d'un toubib pour sa crise d'appendicite. Hein? J'ai dit, on n'a pas besoin d'un plombier, mais d'un toubib pour votre crise d'appendicite. Hein? C'est un diesel, faut que ça chauffe. J'ai dit, Marie Simone, que si vous voulez qu'on effectue un rapatriement sanitaire, vous avez une crise d'appendicite. Attention, ça démarre. Ah, d'accord. Je m'attendais à... Un peu plus soutenu. Oui! Ah, d'accord! Ça y est, c'est là. Ça chauffe. Non, mais non, mais non, pas du tout, c'est de l'autre côté. Allongez-vous sur le lit. Ah non, mais attendez. Ah, non, mais... Ah, bah, tu tombes. Là, bah, vous bon, non, mais allez, non, moi, je t'en ai le responsable qui vous fait une évacuation d'urgence. Voilà, une évacuation d'urgence. Mais... Simon? Oui? On s'en verra peut-être pas, alors. Ah bah oui, mais c'est pas... C'est pas... T'auras fait... T'auras ta mal à Fifi. Vous savez... Je voulais juste vous dire... Hé, hé, oui. Oh, et puis non, rien!
Qu'est-ce qu'elle a encore? Ah non, rien! Bon, la péritonite, ça avance? Ah oui, oui, oui. Bon, le mari soutient sa femme. Mon bon dernier. Quoi? Tu vas faire le brancardier, t'emmènes la dame à l'entrée de l'hôtel, vous deux vous l'accompagnez. Arrivez à l'entrée de l'hôtel, vous m'attendez, on prend l'avion ensemble. Oh, oui. Allez. Moi, appelle-moi, celle-là. Oui, bon, vous pouvez mettre la C'est vrai que vous êtes très... Vous êtes très musclé, hein? Oh, oh, oh! Ah non, ça écoute, va. C'est incroyable ce que tu fais là, moi je sais pas quoi te dire. Viens. Eh ben ne disons rien. En tout cas, chapeau pour ton courage, vraiment. Tu veux dire que vu de dehors, il y a une impression de courage? C'est fou ça. Parce que dedans, il y a une putain de trou. Puis je vais dire, en matière de courage, toi ici, t'as rien à envier à personne. Rien. Ah. Merci. De rien. Bon, allez, une valise, on rentre à Paris. Attends, si on rentre à Paris et qu'ils nous ont fait péter l'aéroport, je rentre pas en pédalo, moi. Ah ben voilà. Avec la radio de Golowana, on va connaître l'ampleur des dégâts. La révolution. Pète les plombs. Alors avant d'atteindre le point limite zéro, je suis raisonnable, je m'en vais. Parce que là, tu vois, je suis à deux doigts de péter un boulon.
Alors, avant qu'on gâche tout, on se quitte point de vue, et on s'épile, on se fait une touffe, et puis voilà. Faites-le moi, je ne peux plus. Là, je ne peux plus. Alors, c'est la guerre! Et voilà, voilà! À l'attaque! Oui, on arrête, on s'en va. Allez. Arrête! Écoute Valérie, t'as pas l'impression que ça fait cinéma notre histoire là? On est les héros d'un mauvais film, d'une mauvaise série B. T'as sûrement raison, Paul. T'as raison. Pardon, Simon. Ça, ça va être ma faute. C'est vrai, quoi, regardez en face de vous, ça fait cinéma, toute cette histoire, là. Le dictateur, l'espion, l'argent, le cocu. Et nous, on n'est pas au cinéma. Alors, enfin, quand je dis qu'on n'est pas au cinéma, on est quand même au théâtre.